Alors, Anatole Aïssa, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire voir cette vidéo de certains Maliens, bien sûr, de la diaspora, de l'Afrique, qui sont réunis. Et bien sûr, ils parlent encore, ils sont vraiment décidés pour que leur pays change. On les écoute. Bonsoir, chers compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora. Bonsoir, peuple brave du Mali. Bonsoir, les amis du Mali. Aujourd'hui, nous venons d'assister avec intérêt à la déclaration d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a finalement écouté son peuple. Aujourd'hui, le moment de féliciter le peuple brave du Mali et nos forces armées de sécurité. Mais après cette déclaration, nous avons appris avec regret qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui compte venir encore nous donner des ordres. Nous sommes un grand pays. Nous sommes le pays du Mandingue. Nous sommes un pays d'histoire. Démontrons une fois de plus à la CEDEAO qu'ils ne sont pas les bienvenus si c'est pour faire des sanctions. Nous avons appris des embargos. Le peuple malien est un peuple brave. Nous sommes prêts à soutenir nos militaires, prêts à soutenir le peuple. Pour cela, nous demandons à tous les jeunes, hommes, femmes, demain à 7h, tout le monde à l'aéroport international Modibo Keïta pour empêcher à la CEDEAO de descendre. Pourquoi? Un, pour montrer notre solidarité à nos forces armées de sécurité, pour montrer notre détermination au monde que les Maliens ont pris la destinée de leur pays en main et que nous comptons sur tous les peuples du monde, les peuples de l'Afrique, les peuples de la communauté CEDEAO, les peuples de France, des États-Unis, de l'Amérique latine. Nous comptons sur tout le monde pour soutenir le peuple malien. Parce que les peuples n'ont pas de problème. C'est les gouvernants qui constituent certains problèmes. Exemple de ça, c'est le cas Mali. Sur ce, rendez-vous demain à l'aéroport international à 7h. Vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Voilà, Albert Anatole, ici, vous avez suivi là, on m'a envoyé d'ailleurs cette vidéo hein, du côté du Mali hier pour me faire comprendre que eux, ils ne veulent pas de la CEDEAO chez eux parce que, eh bien, la CEDEAO a pris des résolutions assez sévères contre le Mali. Si vous me permettez également, je vais vous lire juste certains communiqués. Je commence d'ailleurs par le communiqué de la Côte d'Ivoire, communiqué du ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire qui a été très dur d'ailleurs contre le Mali. Et bien, suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne, le mardi 18 août 2020, ayant impacté les institutions de la République du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a décidé ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. C'est la première résolution qui a été prise. Elle a également décidé de la suspension de toutes les relations économiques, financières et commerciales avec le Mali. En exécution de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le ministre de l'Économie et des Finances instruit, bien sûr, de Côte d'Ivoire, je reprise encore, toutes les administrations financières publiques sur le territoire national, toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiaires SGI et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire national, toute autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire national, de suspendre toute relation économique et financière, tout flux financier en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. C'est signé à Abidjan le 19 août 2020 par le ministre de l'Économie et des Finances. Il s'appelle Adama Koulibaly. Oui, disons que pour revenir d'abord à la vidéo que vous avez présentée tout à l'heure par les soins de votre équipe technique, je note deux choses. La première, c'est un bras de fer entre la CEDEAO, du moins les émissaires de la CEDEAO, oui, avec une partie de la population malienne par rapport au projet, par rapport à la délégation qui est censée arriver là-bas aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même relativiser les choses. La CEDEAO certainement n'a pas été en mesure d'éviter cette escalade que nous avons connue depuis le 18 août dernier au Mali. Mais il faut également noter, comme nous l'avons dit hier, que le
Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas le seul comptable de la situation malienne. C'est, oui. C'est important de le dire. Parce que penser autrement, c'est fait pour de malhonnêteté, certainement, j'allais dire, d'hypocrisie. Voilà. Il s'agit de la responsabilité à la fois du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fois de la classe politique malienne. Et c'est trop facile de dire que oui, c'est lui, il a favorisé la corruption, il a favorisé la malgouvernance, le népotisme et tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut qu'on sache, qu'on soit sérieux. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, c'est que ça peut être compréhensible que du fait que la CDE n'ait pas pu régler cette question quand il le fallait en son temps, notamment après, n'est-ce pas, avec l'élection législative. Oui. Qui a, parce que je crois que c'est de là où tu pars. Il y a eu un problème de 31 députés. Voilà, c'est de là où tu pars. Oui. À suivi de l'escalade des manifestations sociales relatives notamment à la sécurité, à la situation sécurité du côté du nord et du centre Mali, à la situation sociale, notamment le chômage, la malgouvernance, la corruption, l'étourdissement des délais publics, tout ce que vous voulez, le népotisme. Bien évidemment, je crois que là également, c'est là où la CDAO devrait entrer en scène. Mais lorsque je suis les différentes interventions relativement à ce que vous indiquez, je constate que la CDAO vaut plutôt, comme ils l'ont dit dans le cas, n'est-ce pas, du sommet extraordinaire hier entre les chefs de cette sous-région, CDAO, il est question de manière prioritaire de rétablir l'ordre conditionnel, comme le dit Sadi, en d'autres termes, de remettre le pouvoir à Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que là également, c'est une maladresse, à mon sens, parce qu'on ne peut pas sortir à nouveau M. Ibrahim Boubacar Keïta de là où il se trouve dans les casernes avec son gouvernement et lui remet le pouvoir. Ça va être très très compliqué. Ça veut dire qu'on va encore créer un précédent, c'est-à-dire susciter une escalade qui peut aboutir à des bains de sang, à une bain de sang. Je pense également que, de ce point de vue, peut-être que la CDO fait pression, ce qu'elle aurait dû faire avant. C'est-à-dire sur la jante. La CDA fait plaisir sur la jante, surtout de pouvoir. Lorsqu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel, oui. il s'agit véritablement de définir un calendrier électoral dans la perspective d'organiser rapidement une élection présidentielle et non de l'audit. Et non, il ne faut pas que l'organisation de cette élection rentre dans le cadre des caprices ou des humeurs de la jante. Qui pense qu'il faudra l'élection présidentielle va être organisée, je cite, dans un délai raisonnable. Donc je pense qu'il faut que ce soit rapidement fait. J'ai déjà noté que cette jeune a pris langue avec la société civile malienne, avec certains responsables des administrations maliennes, avec certains leaders religieux, pour dans l'optique certainement d'engager les consultations. Pourquoi pas peut-être des consultations? C'est déjà ça. Mais j'indique également que la CDAO a engagé un embargo, notamment sur les transferts, transferts financiers, sur les produits pharmaceutiques, sur les produits de première nécessité. Sur les produits sur les denrées de première nécessité. Et je pense également que c'est là encore, il y a une sorte de dichotomie entre notamment Alassane Dramane Ouattara et le président Macky Sall, qui pense qu'il faut réexaminer, n'est-ce pas, les sanctions qui ont été prises contre le Mali. Il faut donc enlever parmi ces sanctions, pour les raisons humanitaires, il faut pas intégrer dans les sanctions, n'est-ce pas, l'embargo sur les produits pétroliers, sur les transferts d'argent et sur les produits de première nécessité. Donc, je pense que là également, il y a déjà une sorte de dichotomie. Il faut donc qu'ils se comprennent parce que j'ai le sentiment que Alassane Dramane Ouattara, après cette réunion de consultation au sommet entre les chefs d'État, lui, il voudrait se positionner pour donner une autre implication, une autre orientation à cette. On a l'impression aujourd'hui quand même qu'Alassane Dramane Ouattara veut se montrer comme étant le chef de la CDAO et que forcément c'est lui qui doit donner des ordres. Parce qu'avant même que les membres de la CDAO, alors les chefs d'État de la CDAO ne se réunissent, lui, il avait déjà pris une décision. Je vous parle de ce communiqué du ministère ivoirien de l'économie et des finances, qui ose d'ailleurs prendre des décisions extraordinairement dures. Déjà la fermeture des frontières, aucune relation désormais avec le Mali qui est un pays voisin. Pour certains aujourd'hui, en ce moment-là, Alassane Dramane Ouattara met la Côte d'Ivoire en grand danger. Lui qui actuellement se retrouve avec
déjà des marches chez lui. Oui, disons que j'ai lu beaucoup de commentaires dans ce sens, en réaction à ce communiqué ivoirien, de la présidence ivoirienne, sur la situation, n'est-ce pas, qui prévaut actuellement au Mali. Oui. Surtout, beaucoup d'internautes lui ont rappelé également qu'il faut qu'il respecte leurs conditionnés dans son propre pays. Oui. Et donc, je crois que il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Parce que lorsque vous voulez, lorsque vous êtes un chef d'État, et que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas très respectueux de l'ordre constitutionnel dans votre propre pays. Il faut éviter surtout de donner des leçons dans un État souverain. Je crois, aujourd'hui, nous connaissons, comme je l'indiquais tantôt, nous connaissons les problèmes du Mali. Les problèmes du Mali ne sont pas ce qu'on nous présente. C'est-à-dire la malgouvernance décriée d'Ibeka, le népotisme, la corruption, l'insécurité. Non, ce n'est pas lui le principal responsable. Le principal responsable, c'est d'abord tous les Maliens. Nous, je voudrais quand même vous préciser que, et je voudrais rappeler que depuis pratiquement 15 ans, en 15 ans, j'allais dire, le Mali a connu quand même 4 coups d'État, ce qui n'est pas très très bien, c'est ce qui sonne faux pour un pays qui a l'ambition de s'inscrire dans l'émergence et dans la modernité. Donc, je crois que j'ai également les commentaires de nature à jeter de l'huile sur le feu. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que M. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir par les armes, qu'il doit aussi sortir par les armes. Il me semble que ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut quand même qu'il y ait une rupture. Et vous, oui, ne pouvez pas parler de rupture lorsque, écoutez, il y a un principe élémentaire en géopolitique. Vous ne pouvez pas sécuriser un espace ou une zone sans prendre en compte les questions de gouvernance qui régissent ce milieu-là. Ça, c'est important. Et la gouvernance en question, elle est d'abord politique. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est géopolitique. Donc, ça implique tout le monde. Pas seulement les leaders du M5 ou bien du RFP ou encore le régime déchu. Non, ça implique tous les Maliens. Donc, il ne faut pas jeter, n'est-ce pas, M. Ibrahim Boubacar Keïta à la bandit populaire. Ce serait, à mon sens, malsain. Je crois qu'aujourd'hui, il est question de réfléchir dans l'optique de sortir le Mali de la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est très facile, parce qu'actuellement, il y a l'enthousiasme lié au départ fracassant d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça a été le cas en 2012, lorsque Amadou Toumani Touré a été déchu. Ça a été le cas, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Quelques temps après, bis repetita, retour à la case départ, il y a le même enthousiasme avec le départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je pense que si le Mali va aller d'enthousiasme en déception, en illusion, en désillusion, ça va quand même créer un problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un pays qui est tenu à 60% entre les mains des djihadistes, des bandes armées, des trafiquants de toutes sortes, et surtout des criminels, vous ne pouvez pas dire que ce pays-là est stable. Vous avez quand même vu les images, hein. On a vu la vidéo tout à l'heure de ces Maliens qui déclarent au effort que rendez-vous est pris d'ailleurs ce matin à 7h, heure de Bamako, à l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako, pour dire non en tout cas à la CEDEAO. Pour ces Maliens, aujourd'hui, la CEDEAO travaille pour le compte de la France. Non, disons que il y a deux personnages qui m'intriguent un peu dans cette affaire de la CEDEAO, qui portent justement le projet de rétablir Ibeka dans ses fonctions de président. Il s'agit notamment du président Ouattara, oui, et du président Alpha Condé qui portent ce projet-là. Et nous savons que Alpha Condé et Ouattara, ce sont les francophiles assumés. Donc, je crois que de ce point de vue, ça fausse le débat, surtout au moment où il y a une délégation de la CEDEAO qui est annoncée. Tout compte fait, le Mali fait partie de la CEDEAO. Donc, il faut que les Maliens fassent très attention. Aujourd'hui, un pays qui veut être fort ne peut pas fonctionner ou rester en autarcie. Oui. Oui, nous savons, nous leur concédons le fait qu'il y a eu des erreurs, que ce soit à l'intérieur même du Mali, c'est-à-dire
ces hommes politiques, sa société civile, ces autorités morales, c'est-à-dire les leaders religieux que vous connaissez. Il y a également eu des erreurs au niveau même de la gestion de cette crise socio-politique du côté par la CEDEAO. Donc je pense, pourquoi ? Parce que reconnaît-on également le fait qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas été proactif, il a été plutôt réactif et non anticipatif par rapport à la situation. Parce que s'il avait été anticipatif, je crois qu'il aurait, on aurait évité cela. Vous ne pouvez pas gérer un pays qui n'a pas d'armée. Ça, il ressort également, c'est parce que tout à l'heure, lorsque vous lisiez des messages, nous avons constaté effectivement que c'est un problème réel. Un État qui n'a pas d'armée, c'est un État exposé. Oui, c'est un de nos téléspectateurs qui a écrit cela. J'ai vu un documentaire hier dans une chaîne hexagonale. Des militaires maliens qui sont formés sur le terrain aux côtés des forces Barkhane. Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer des soldats au front, il y a une formation préalable qui doit être pointue, sérieuse, appropriée et surtout avec une logistique conséquente. Mais lorsque vous prétendez être un État souverain indépendant qui n'a pas déjà une armée, ça pose un problème. Un gros problème d'ailleurs. Ça pose un très gros problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, la priorité à mon sens pour l'armée malienne, je crois que les militaires, la jeune l'a indiqué, c'est sécuriser le Mali, ramener la sécurité au Mali, ce qui va être un peu très compliqué parce que c'est quand même paradoxal. Je l'ai indiqué encore hier dans le cadre de ces tribunes, à savoir, vous ne pouvez pas avoir dans un espace comme le nord du Mali, vous avez au moins une concentration de quatre forces, notamment Takuba, qui est un regroupement de forces spéciales européennes. Vous avez le G5 Sahel, qui est constitué des pays et des forces de sécurité des pays de la sous-région CEDEAO, notamment le Niger, le Mali, et la Mauritanie, tout ce que vous voulez. Vous avez également Barkhane et vous avez donc la MINUSMA. Bon, vous avez donc une concentration de ces forces-là, mais curieusement, on n'arrive pas à maîtriser justement les incursions des djihadistes. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Il marche donc qu'il doit avoir forcément des complicités en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire national. Et vous ajoutez à cela les guerres, les conflits intercommunautaires. On va lire quelques messages sur Facebook. Il y a d'ailleurs plusieurs de nos téléspectateurs qui sont connectés. Pour Stéphane Sullivan Onana, la CEDEAO avec sa tête à sa tête, Ouattara, n'est que le cheval de Troie de la France. Elle veut rétablir Ibeka, car ce dernier est une autre marionnette confirmé de la France. Mais vu le comportement habituel de l'impérialiste, il s'agit d'un jeu trouble visant à embrouiller le peuple comme d'habitude. De toute façon, que ce soit Ibeka ou ce militaire, c'est toujours la victoire des impérialistes. Je vais prendre un autre intervenant. Les autres intervenants peuvent participer d'ailleurs par téléphone. Merci. Je prends de ce côté-ci sur WhatsApp. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, c'est Monsieur Tiagé depuis Malabo. À propos du sujet, rien n'a été fait de concret par les militaires. Ils sont juste en phase de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. La seule chose à faire pour aider le peuple malien est de chasser le colon français du Mali. Mon colonel, prenez vos responsabilités en main et dites à la France que vous avez chassé son sous-préfet du Mali. Et il est temps qu'elle, la France, dégage du Mali. C'est la seule condition pour qu'il y ait la paix au Mali. Le reste, l'avenir nous dira. Merci beaucoup à M. Tiagé depuis Malabo du côté de la Guinée équatoriale. Bonjour, c'est Stéphane depuis Dapaon au nord du Togo. Je demande humblement au peuple malien de réserver un accueil digne de dictateur à la délégation de la CEDEAO ce matin. Merci à vous également Stéphane de Dapaon du côté du Togo. La CEDEAO est considérée depuis quelque temps comme un syndicat des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Quand Alpha Condé Ouattara modifie la constitution dans un coup d'État constitutionnel, que fait la CEDEAO? Pour le cas de l'armée, lorsque Karim Keïta détourne les fonds alloués à l'armement, que voulez-vous qu'elle fasse? Voilà, Ahmed depuis le Togo. Merci à vous également, Ahmed. Eh bien, Albert Anatola ici, je reviens avec vous jusqu'à preuve de contre. Vous voyez donc il y a des internautes qui réagissent immédiatement. Pour certains, eh bien, la CEDEAO n'est qu'une copie conforme de la France, mais n'est pas là pour
en tout cas, défendre les intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Non, écoutez, tout à l'heure, je vous l'ai indiqué. Je veux indiquer, par exemple, que il y a deux personnages majeurs qui se dégagent, et qui assument leur francophilité. Oui. Si vous voulez, il s'agit de Alpha Condé et bien évidemment Alassane Dramani Ouattara. Ces deux personnages ont deux choses ont quelque chose en commun. Ils ont modifié la constitution pour se représenter. Donc ils sont désormais sont donc inscrits dans la trajectoire des candidats anticonstitutionnels. Donc forcément illégaux. Ceci étant, actuellement, ce qui fait office d'armée malienne n'a pas de choix. Ça dit que eux-mêmes, ils ont assumé cela dans leur prise de parole, notamment. Ils ont estimé qu'ils vont respecter les accords d'Alger, ils vont respecter les accords qui ont été signés par le Mali, notamment pour ce qui concerne le maintien sur place de la force Barkhane, le maintien sur place de la MINUSMA, le maintien sur place de Takuba, que j'ai indiqué tantôt, qui est un recrutement de force spéciale de l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas les moyens. Finalement, ils n'ont rien changé. Ils ne peuvent que faire contre mauvaise fortune, donc tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de choix. Pourquoi avoir fait un coup d'État si, un temps se peut, vous n'avez pas les armes pour changer entièrement et totalement les choses? Bon, je crois que c'est la question qu'il faudrait peut-être poser aux initiateurs de cette mutinerie. Oui. Mais je conteste quand même que la base Kati est coutumière justement des coups d'État du côté Mali. Et ça dit, c'est de là où sont partis, où est parti le premier coup d'État de 1968, jusqu'au dernier coup d'État d'avant-hier, de 18 août dernier. Donc, je crois que c'est un véritable laboratoire de planification de coup d'État du côté, n'est-ce pas, du Mali. Je pense que il y a eu comme une sorte de récupération, quelqu'un l'a indiqué hier, qu'il y a eu comme une sorte de récupération, oui, de révolution, entre guillemets, du peuple malien par l'armée, qui a parachevé, n'est-ce pas, c'est là. Donc je pense qu'il est important et impératif que ceux qui ont pris la responsabilité de porter, n'est-ce pas, cette mutinerie-là, et qui pour la plupart ont été formés à l'école militaire, à l'école russe, et qui sont certainement bien capés, notamment, je parle ici d'Assimi Goïta, bon, eh bien, qui prennent leurs responsabilités, mais surtout, qui veillent à ce qu'on n'ait plus des milices ou des vigiles qui font office de soldats sur le terrain. C'est ridicule, je dis bien, c'est ridicule pour un pays qui se dit indépendant et souverain. Malheureusement, c'est toujours, on a beau dire que la France doit partir, oui, il faut bien que la France parte, et qu'on revoie véritablement les accords de partenariat ou de coopération avec la France, pourquoi même pas peut-être carrément les dénoncer, les résilier. Mais tout compte fait, la réalité est tout autre, ce sont les soldats de l'opération Barkhane qui forment sur le terrain ceux qui font office, n'est-ce pas, de soldats maliens. Justement, quand on parle de la base de Kati, tous les jours on en parle depuis les années 1968, c'est toujours de là que partent toujours les coups d'État du côté du Mali. En tout cas, je vais revenir avec vous, hein. Patient, pas fait, non, un peu essoufflé. Il est quand même arrivé. Ben, il pleut très fort dans la ville, hein, depuis ce matin. Chers téléspectateurs, vous devez comprendre que pour avoir nos invités, ça va pas être facile. Pas facile du tout, parce qu'ils viennent sous la pluie. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de courage d'ailleurs que Patient Parfait nous met là ce matin. Patient Parfait, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Anatole, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Vous savez, il pleut des cordes dans la ville de Douala. Oui. Même avec ma voiture, ce ne fut pas évident. Mais bon, nous sommes habitués, nous sommes nés là-dedans, nous sommes nés sous les tropiques, sur cette forêt équatoriale avec sa pluviométrie un peu élevée, donc c'est le mois d'août en plus, oui. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions subir ce que nous avons subi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul, hein, Albert Anatole Laïssi a dû braver la pluie. Non mais je le vois, elle est toujours, toujours fringant, ouais. C'est le dandy de ce plateau, décidément. Bon, lui il n'est pas comme nous, hein. Moi je suis mouillé partout, mais bon, on n'a pas le choix en plus de voilà, ça. Voilà. Bon, très heureux
heureux de vous avoir sur notre plateau d'ailleurs ce matin. On parlait bien sûr du Mali. Mais bien sûr, il y a également certains Maliens qui ont fait d'ailleurs une vidéo pour faire comprendre qu'ils vont descendre ce matin du côté de l'aéroport Modibo Keïta du Mali, aéroport international, pour dire non justement à la descente de la CEDEAO. Autre chose également, nous faisons comprendre également les décisions qui ont été prises par le ministère ivoirien de l'économie et des finances. Il faut le dire, un embargo extraordinaire d'ailleurs contre le Mali. Plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Il y a des décisions un peu plus dures qui ont été prises justement par la Côte d'Ivoire. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction? D'abord, je dirais comme vulgairement les jeunes dans nos quartiers, dans un français qui n'est pas tout le temps châtié, m'a dit « Monsieur Ouattara, c'est son souvent ». C'est incroyable, cette manière de jouer les négociateurs pour régler une crise. Vous vous souvenez déjà, lors de la crise ivoirienne, d'une des résolutions assez incompréhensibles qui avait été prise sous l'instigation de Monsieur Nicolas Sarkozy et son complice Ouattara, c'était justement un embargo sur les médicaments. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait validé cette décision. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, les pauvres Maliens, admettons même qui adorent Ouattara et qui adorent Ibeka, ils vont subir la même sanction que ceux qui demandent son départ. C'est-à-dire quoi? Imaginez, vous, qui est les gens là actuellement au Mali qui souffrent par exemple d'insuffisance rénale. Les kits sont peut-être complètement terminés, en rupture. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort programmée. Je prends un exemple simple comme ça. Parce que ici, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, n'oubliez quand même pas qu'un grand écrivain, j'ai nommé Mongo Betty, est mort dans un hôpital de Douala, l'hôpital général pour ne pas le citer, parce qu'il y avait rupture de kit, n'est-ce pas, pour qu'il puisse faire l'hémodialyse. J'étais d'ailleurs sur sa tombe, j'étais sur sa tombe ce vendredi. Donc, quand des gens comme ça, comme le Ouattara, prennent de telles décisions, on se pose bien la question, mais qu'est-ce qui se passe, premièrement? Moi, enterré dans l'anonymat, c'est Mongo Betty. C'est un grand reste un grand, même s'il est enterré au désert, c'est pas ça le plus important. Alors, ce que je comprends pas, c'est que M. Ouattara, principalement lui, parce que j'ai l'impression que c'est le va-t-en-guerre dans cette histoire. Alors qu'on voit les positions, par exemple, du Nigeria, et j'ai lu le tweet de Macky Sall hier, qui semble être un peu modéré, qui arrondissent les angles, qui disent « Attention, il ne faut quand même pas qu'on prenne des décisions qui vont complètement déstructurer la société malienne parce que les biens élémentaires ne seront plus à la disposition de tous les citoyens. » Mais Ouattara, il est sur une ligne ferme, une ligne radicale. Il suffit de lire ça pour comprendre que, quelque part, il y a des gens qui sont gênés par ce coup de force, n'est-ce pas, des militaires maliens qui n'ont fait que parachever une contestation violente du peuple malien, ou bien une bonne partie, une bonne frange du peuple malien qui ne voulait plus de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, du gouvernement d'Ibeka. Donc, je pense sincèrement que M. Ouattara n'est pas du tout dans son rôle. Et je pense que, comme le disait d'ailleurs à fort propos, l'un des opposants maliens, Omar Mariko, il attend de pied ferme. À Bamako, il attend du pied ferme. Ils vont voir comment cette délégation de la CEDEAO viendra leur expliquer l'inexplicable. Je pense qu'au lieu de foncer dans une surenchère du point de vue politique, il est grand temps qu'on procède plutôt à des négociations. Il faut négocier avec ce groupe militaire qui a pris le pouvoir. Mais pour ce que j'ai vu, n'est-ce pas, du calendrier qu'ils ont déroulé, je ne dis pas qu'ils sont des saints, vous savez, on ne faut jamais mettre la main au feu pour qui que ce soit dans cette zone-là. On vous souvenez du balayeur, le président Gueye, en Côte d'Ivoire, qui dit « Je suis seulement venu pour balayer la maison, après moi je vais partir ». Tellement il avait balayé la maison que les meubles et les couverts vraiment lui ont donné le goût de rester. Il a voulu rester, mais après il a été balayé lui-même. Donc si ces militaires-là respectent leurs mots, mais j'ai pu comprendre que c'est des gens vraiment très très structurés, ils ont été bien conseillés. Si vous voyez même, j'allais dire l'agencement de ce coup d'État, on a d'abord demandé au président Ibeka de dissoudre l'Assemblée avant de démissionner tout seul. Quand les gens nous demandent maintenant un retour à l'ordre constitutionnel, mais quel ordre constitutionnel? Quel ordre constitutionnel? Donc je pense plutôt qu'il faut qu'on penche vers une négociation. Je ne veux pas savoir pour l'instant qui manipule qui, mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne frange de la population malienne est complètement en accord avec ce qui s'est passé à Bamako.
Et il faut plutôt aller vers, dans le sens des négociations, demander qu'il y ait une période transitoire, qu'il y ait un gouvernement de transition composé, comme ils l'ont si bien dit, des militaires, des politiques, la société civile, etc. Et que pendant cette période de transition, qu'on essaie de mettre sur place de nouvelles institutions qui vont préparer les élections à venir pour que le Mali puisse décoller. Alors, tous ceux qui crient, qui braillent, comme c'est le cas de M. Ouattara, mais où étaient-ils? Ou bien, où sont-ils depuis que le Mali a feu à sang au nord du Mali? Où sont les troupes ivoiriennes qui sont allées combattre aux côtés de leurs frères maliens pour bloquer le djihadisme? En renforçant ces sanctions qu'ils semblent prendre, on va plutôt précipiter l'écroulement total de l'État malien, et ils vont ouvrir un boulevard, n'est-ce pas, à une poussée djihadiste qui ne va pas dire son nom. Ah, attention, ces djihadistes ne s'arrêteront jamais à Bamako. Pas seulement à Bamako, mais en Côte d'Ivoire. C'est également ça le grand danger. Il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont en train de jouer avec le feu, avec cette histoire-là. Je pense qu'il est grand temps que ceux qui réfléchissent, comme j'ai pu voir le président Macky Sall, lui qui est d'ailleurs aussi un libéral, mais pas un moins vatanguer, on l'a vu en Gambie, dit que, attention, là, on est quand même en train de jouer avec quelque chose de plus costaud qui risque d'avoir des conséquences qui vont complètement déborder le cadre uniquement du périmètre malien. Justement, il ne faut pas également oublier que la junte s'est entretenue avec les partis proches, les partis politiques proches d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition attend également son tour. La même junte, il faut le dire également, s'est entretenue avec, il faut le dire également, la société civile malienne. Et puis le M5 RFP se dit prêt à travailler justement avec la junte pour une transition républicaine. Jusque-là, on peut dire quand même que les choses se passent super bien. Mais moi, je vais vous poser une question, hein, patient parfum d'homme, vous qui suivez d'ailleurs l'actualité du Mali depuis de longues années aujourd'hui, où était la force Barkhane, la MINUSMA et tous les autres avant, justement, pendant, disons-le comme ça, pendant, justement, la prise de pouvoir par la junte militaire? Non, ce qu'il faut comprendre, Steve, c'est ce que nous disons sur ce plateau depuis de longs mois. Les Africains en ont marre. Les Africains en ont marre de la présence récurrente des forces étrangères sur leur sol. Parce que ces forces étrangères, doublé au fait que nous n'avons pas une souveraineté entière sur l'ensemble de notre politique et de notre économie, creuse, c'est-à-dire qu'empêche et crée des goulots d'étranglement, mais surtout des boulets pour ces gouvernements et ces peuples de telle manière qu'ils ne voient aucune possibilité pour eux de pouvoir décoller. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Vous savez quel est le premier produit d'exportation du Mali aujourd'hui? Allez-y, vous allez me le dire. C'est l'or. Il y a 50 espaces d'exploitation d'or. L'once d'or est monté à des niveaux records actuellement. Le Mali, le Burkina Faso aussi, produisent à peu près, le Mali produit à peu près 50 tonnes d'or. Mais avant, une société sud-africaine était arrivée au Mali et avait dit au Mali, mais vous êtes encore dans une exploitation qui ne vous permet pas de décoller suffisamment. Moi, je peux vous aider à passer à 200 tonnes d'or par an. Et avec 200 tonnes d'or vendues sur le marché mondial, avec le prix de l'or actuellement que nous avons là, le Mali peut régler beaucoup de ses problèmes. Alors, l'une des bagarres qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a des minerais là, au sous-sol. C'est pour cela qu'on a fait l'enclave de Kidal, pour être une espèce d'abcès de fixation, où on dit à l'État malien, écoute, c'est le mouchoir rouge qu'on agite. Si tu ne négocies pas pour que tout ce qui est en bas là nous revienne, voilà ce qui risque d'arriver, c'est la partition de ton pays. Donc, au-delà de tout le brouhaha que vous entendez, des histoires qu'on dit, on va fermer toutes les banques, il n'y aura plus de transactions financières. La question c'est, tout ce que le Mali regorge comme richesse, oui, ça va profiter à qui finalement? Je vous avais dit sur ce plateau que bien avant qu'il y ait l'intrusion des Touaregs au nord du Mali, les forces américaines qu'on appelle les Diaz étaient déjà présentes au Mali, dans le désert malien. Ils faisaient quoi là-bas? Que faisaient-ils là-bas? Donc c'est une zone, et c'est sur le gâteau, la question de ce désert, qui regorge d'un potentiel énorme en eau douce. Vous savez que les batailles qui viendront plus tard, ça va être les batailles pour le contrôle des zones qui ont de l'eau douce. Attention, qui semble quelque chose de banal pour l'instant. De banal aujourd'hui. Je vois les gens qui construisent par exemple des maisons, des immeubles à Douala. Ils ont de l'eau à profusion, qui ne savent pas quoi en faire. Ils mettent un tuyau et puis l'eau là c'est, n'est-ce pas? C'est donc qui a pris des centaines, voire des millénaires pour pouvoir s'accumuler là-bas au sous-sol. Mais le vendage, il bousille comme ça. Alors,
Les autorités communales sont là. Je ne sais pas si. Regarde sans rien faire. C'est terrible. Pas, alors que cette eau-là. Il pourrait avoir une guerre de l'eau dans les années à venir. On pourrait l'exploiter à bon escient pour faire des tas de choses. Sans oublier qu'on a des quartiers de Douala qui continuent d'être ravitaillés avec des conteneurs de cambotage, ce qui est quand même aberrant. Quand ce n'est pas de l'eau de pluie. Quand ce n'est pas l'eau de pluie. Merci, Anatole. Donc, je dis qu'au-delà de tout ce que ces gens-là veulent nous montrer, ils veulent nous agiter, il y a cette question. La deuxième question, c'est leur politique interne. Pourquoi Ouattara s'agit tant? Si le coup d'État au Mali réussit, il a eu une contestation chez lui pour son troisième mandat, une partie de son armée peut être tentée de regarder l'exemple qui est venu chez le voisin. Justement. Et reproduire le même scénario chez lui. Donc il faut absolument, il faut tétaniser les gens qui ont cette envie. Mais surtout, il faut détruire, il faut bousiller dans l'œuf cette révolution militaro-populaire parce qu'elle risque de faire des enfants ailleurs. Et ça, pour M. Ouattara, ce n'est pas une perspective de tout louable. N'oubliez pas que M. Ouattara et M. Macron ont fait un forcing avec leur écho, qui ne semblent pas prendre, parce que le Nigeria, le Ghana, mais aussi le pays comme, par exemple, comme le Bénin. Le Togo, le Bénin n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Or, si le coup Ouattara ne prend pas, qui sera la principale victime de cette affaire-là? C'est la France. Et vous avez écouté les gars au niveau de l'Afrique centrale qui disent, bon, ok, nous allons nous arrimer à l'écho qui sera mis en place au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si donc là-bas, l'Afrique de l'Ouest, cet écho ne prend pas, l'Afrique centrale aura un grand boulevard, je l'espère, pour faire sa pour voir ailleurs. Oui. Et pour la France, quand on met de bout en bout l'ensemble de ce puzzle, vous vous rendez compte que le principal, l'homme qui a le plus intérêt a fait prier les Chines à ce pouvoir militaire au Mali, c'est Alassane Ouattara. Non, Paris. Paris. Donc, Alassane Ouattara ne joue que le petit pitbull de service qui a pour mission de bousiller les mollets de tous ceux qui veulent avancer. Donc, voilà en réalité le schéma quand on dit très bien ce qui se passe au Mali, ce qu'on peut comprendre. Je continue de dire, nous avons vu quand les djihadistes ont envahi le Mali. Il a fallu que ce soit les troupes tchadiennes que le président Déby à Abidjan et ils disent aux gens, arrêtez avec la parlotte, les discours ne peuvent en finir. Les états-majors qui se réunissent, il n'y a rien sur le terrain. Allons sur le terrain pour combattre ces djihadistes. Où étaient M. Ouattara et son armée? Nulle part. Vous avez entendu qu'il y avait un seul soldat, ivoirien, qui était au nord du Mali pour combattre les djihadistes. Maintenant que ça prend des proportions assez délicates et qu'ils ont l'impression que leur petit truc qu'ils ont concocté dans le noir, leur petite soupe dans le petit coin de la France-Afrique est en train d'être un peu en difficulté. On nous sort toutes les théories, la légalité, la restauration de comment vous appelez ça? L'ordre constitutionnel. Oui, l'ordre constitutionnel. Toutes des bêtises comme ça qui ne veulent absolument rien dire en temps de crise. Il faut que le peuple malien, conscient de sa quête de souveraineté, reste ferme sur sa décision et ne n'obéissent pas du tout, n'est-ce pas, à ces injonctions de la CDAO qui les a abandonnés seuls face au terrorisme, face à l'insécurité. Et cela est valable pour le Mali, comme on le voit aussi pour le Burkina aujourd'hui, oui, où les attaques ne sont pas seulement concentrées dans les zones de cet endroit, mais aussi pratiquement dans le sud de leur pays. Donc vraiment, pour une fois, je dis, en politique, il ne faut jamais boire le carré de quelqu'un, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un curseur qui s'est déplacé quelque part. Il faut qu'on regarde, qu'on soit attentif. On regarde très bien ce qui se passe, mais il est prématuré de jeter la pierre à qui que ce soit sous le fallacieux prétexte que des gens se sont réunis au niveau de la CDAO et ont pris certaines décisions pour ramener le prétendu ordre constitutionnel à la réalité qui n'existe pas. Vous savez, le pouvoir, je vais chuter par là, a quelque chose d'exceptionnel. Oui. Le pouvoir, on le perd avant même de ne plus être là. Quand on regarde sérieusement ce qui se passe au Mali, le président Ibeka n'a plus la légitimité qu'il faut pour diriger le Mali. Merci à vous, patient parfait, merci d'être là d'ailleurs ce matin. Franco Adaï, je vais lire quelques messages sur Facebook. La CDAO est un instrument qu'utilise la France pour maintenir les dictateurs à la tête des pays francophones. Abat la CDAO, abat la France, nous dit d'ailleurs Franco Adaï qui revient, qui nous dit les terroristes c'est la France, le terroriste c'est la France, le départ de la France sera le départ des terroriste. Ikoum Patrick, grand fan d'ailleurs d'NBA ce matin, à qui nous disons bonjour, déclare « Ado est un homme cynique. Il avait imposé ses embargos en Côte d'Ivoire.
Lorsqu'il a voulu déshabiller le grand Gbagbo, c'est un homme sans cœur sorti des loges Illuminati, ou les déshumanise. Surtout, il craint pour son pouvoir car les Ivoiriens pourraient copier l'exemple. Donc, il déclare également la même chose que vous dites d'ailleurs ce matin, Ibrahim Mouma, Ibourihaima, Doumbia. Ibourahimou, voilà, Doumbia. Bonjour, bonsoir. Je vous dis également bonjour à vous, hein, qui êtes de ce côté-là. Nous, on s'en fout de la CDAO. Bien, c'est quand on nous dit de ce côté-là, bon, on va toujours dire ces choses, hein, haut et fort. Nous ne sommes pas là pour créer une quelconque polémique. Du côté du WhatsApp, félicitations maliens, c'est ça, devenir homme, ne céder pas à ces dictateurs en blouse de démocrate. Bonjour à tous sur le plateau, la personne nous écrit depuis le Togo. Bonjour Dibia, je suis très fier de vous, merci pour vos efforts sans cesse renouvelés. L'Afrique doit se réveiller, car jusqu'ici ses dirigeants la font dormir. Fakoli a raison de dire que la politique France-Africa, c'est du blagué. Tué. La personne également ne nous a pas donné son numéro de téléphone. Bonjour Steve Ngos et l'homme aux 3A qui a bravé cette pluie diluvienne. Big up aux techniciens qui abattent un excellent boulot. Je mets les pieds dans le plat pour dire que les chefs d'État de la CDAO ne sont que des pantins de l'impérialisme occidental. D'ailleurs, ils auraient reçu des injonctions de leur patron qui est à Paris de faire tout pour que le président Ibeka reprenne ses fonctions. Et la CDAO qui avait déjà fermé les frontières au Mali, veut aller au Mali pour imposer au peuple souverain de revenir à sa décision. Quelle honte pour les chefs d'État de la CDAO, mais je donne tout mon soutien panafricain au peuple souverain malien, dans sa majorité, de ne pas se laisser distraire par ces pantins de la CDAO. Qu'ils acceptent l'embargo, c'est pour une bonne cause qui va donner la souveraineté du Mali. Ce sacrifice en vaut la peine. Honte, honte et honte à la CDAO, pilotée par Good Luck Jonathan. Courage, courage, courage au peuple souverain malien. Restez vigilants. Tous les panafricains sont derrière vous. Thompson et Han depuis Bédi, ici à Douala. Merci également à vous, monsieur Thompson. Bonjour DBS, que Dieu vous bénisse. C'est la honte pour la CDAO. Les peuples l'ont vomi. Tiedré Djanta depuis le Togo. Guerre et déstabilisation égale richesse du sous-sol. Gadji depuis Mbé. Merci également à vous. Bonjour prestigieux plateau de DBS Matin. Très bon thème. Je suis très très révolté pour la CDAO et en particulier pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara devrait faire preuve d'humilité et éviter même de prendre parole sur la scène internationale et particulièrement en Afrique. Nous sommes très très fâchés de Alassane Dramane Ouattara avec son vaudou des hiboux. Non, on n'est pas là pour les insultes. Où est notre cher Kadhafi? Où est Laurent Gbagbo avec cette CDAO et la coque vide de l'Union africaine? Ces ONG ont trahi l'Afrique. Très bonne émission à tous. Je suis Antoine de Marie à Obida, à Yaoundé, en Colbison. Soyez bénis. Soyez bénis également, vous qui êtes de ce côté de Colbison. Félicitations à Monsieur Parfait pour son analyse. Ben, la personne n'a pas laissé le nom, mais elle nous écrit depuis le Togo. Ben, le Togo qui a toujours besoin qu'on se trouve un sujet. Il faut trouver un sujet. Il faut trouver un sujet sur le Togo. Bonjour tout le panel, courage à vous. Pourquoi toujours la CDAO vient toujours au dernier moment? Monsieur Parfait, s'il vous plaît, expliquez-nous cela. Koumou Papin depuis Togo. Pourquoi la CDAO vient toujours en dernière position quand tout est déjà gâté? C'est ce que Koumou vous pose comme question à vous, Parfait. Bonjour à DBS Matin. Le Mali n'a pas d'armée. Pour un grand pays comme le Mali, c'est inadmissible d'avoir une armée réduite d'hommes. Il faut un recrutement massif des jeunes volontaires et les doter du matériel de guerre. Olivier Mboko depuis Lomé au Togo. Merci à vous également, hein, Olivier. Bonjour les panélistes. D'après moi, la CDAO est un syndicat des chefs d'État qui se concertent pour défendre leurs intérêts égoïstes au détriment du peuple. Ces soi-disant syndicats est un instrument de l'impérialisme français qui a pour seul but l'exploitation de l'Afrique. C'est Mouhamadou qui nous écrit depuis Garoua au Cameroun. Messieurs, vous avez suivi les uns les autres. Vous voulez répondre déjà à monsieur Koumou qui vous parle depuis le Togo? Non, non. Il pose la question, justement, de savoir pourquoi la CDAO est toujours tard.
Non, nous allons, d'abord, il faut rassurer nos téléspectateurs de côté de Lomé et de tout le Togo d'ailleurs. On va trouver, c'est pas des thèmes qui manquent pour le Togo. Non, il y a pas de thèmes. L'actualité va nous offrir l'opportunité de s'intéresser au cas togolais, qui est un cas qui nous tient à cœur. N'oubliez pas que le Togo, c'est le petit frère du Cameroun. C'est les deux qui ont quand même connu la même colonisation allemande. Nous avons la même histoire. Une partie du Togo, ça il faut le dire, a été charcutée et a été remise au Ghana. Voilà. Et le Ghana aussi, pratiquement le même problème que nous avons, mais pas avec le même ordre d'intensité. Donc, je pense que pour le Togo, nous allons revenir. Alors, pour la CEDEAO, il a parfaitement raison. Ce n'est pas la première fois. La CEDEAO se comporte depuis un certain temps, et je ne comprends pas très bien, comme une organisation qui n'est pas dans la perspective, comme l'a dit Anatole ici. Donc, qui est capable, n'est-ce pas, de prévoir des situations qui risquent d'être dérangeantes pour la stabilité de son espace. La CEDEAO vient en sapeur-pompier quand on est déjà mort, quand la mort a déjà été consommée. Il faut que la CEDEAO soit aussi dans le règlement des litiges en amont. Proactive. Oui, en amont. Il ne faut pas seulement qu'elle vienne en aval quand il n'y a plus grand-chose à faire pour essayer de... Par exemple, le meilleur exemple pour la CEDEAO, oui, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire, c'est de faire pression sur le président Ouattara pour qu'il n'aille pas vers ce forcing vers pour son troisième mandat. Mais, visiblement, personne ne dit rien. Et Ouattara ira peut-être vers ce forcing. Et s'il y a des dégâts demain, ça se que vous verrez la CEDEAO venir en grande pompe dire non, il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Alors que le verre commence à être enfoncé dans le flux et ils voient. Et ils ne font rien. Pour dire, j'aurais aimé avoir une CEDEAO qui en son sein a des espèces de règles, ce que j'appelle les gentlemen agreement, qui disent quand même à leurs membres qu'il y a des choses, des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Est-ce que vous savez que, par exemple, pour un pays comme, la France, sur le plan constitutionnel, il n'y a pas un article de loi qui dit qu'il ne faut pas faire un troisième mandat. Mais eux-mêmes, en tête, cette espèce de gentleman agreement, savent que quand tu as fait tes deux mandats, c'est terminé, il faut dégager, donner la possibilité à quelqu'un d'autre. La CEDEAO doit aller vers ce type de modus operandi, mais là, sur le plan formel, parce que si chez nous, les gens sont quand même, ils ont la boulimie de pouvoir, pour dire à leurs gens que tant que vous allez respecter l'ordre constitutionnel, tant que vous allez essayer d'avoir ce qu'on appelle un consensus républicain pour gérer les tensions qu'il peut avoir sur le plan politique et économique au sein de votre nation, je crois qu'on va éviter les cas comme le cas malien. Mais chaque fois que quelqu'un va arriver au pouvoir, oui, et qu'il ira prendre des ordres à Paris, et qu'il ira pleurer, je suis Charlie à Paris, on a vu le président Ibeka pleurer, c'était à saut de larmes. L'un des moments de honte les plus vraiment, je ne sais pas, de ma vie. Ce que j'avais vu ce jour, je ne sais plus quoi dire. Alors, quand la CEDEAO va continuer de se complaire de telles pratiques avilissantes et déshonorantes pour les Africains que nous sommes, je pense qu'elle sera toujours tout en train de courir après le vent. Elle aura cette attitude de fuite en avant permanente. C'est le cas du Togo. Au Togo aussi, on va revenir avec M. Faure Yadema. Oui. Ce pouvoir dynastique qui n'en finit pas. On a vu comment le régime togolais a réprimé violemment les contestations pacifiques. Hein? En parlant de parti de Hachadam avec le PNP qui avait lancé à un moment donné certaines marches pour contester, n'est-ce pas, le pouvoir togolais. Qu'avait fait la CEDEAO? Elle est plutôt venue, elle a embobiné les gens, justement avec les gens comme les Ouattara. Finalement, c'est le statu quo qui demeure jusqu'à la prochaine éruption au Togo, qui va peut-être créer encore des centaines de morts. Et je dis que si c'est comme ça que nos dirigeants veulent gérer l'Afrique, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Il faut des gentlemen agreement au sein de la CEDEAO pour dire à leurs membres, attention, il faut qu'on sache passer la main, il faut qu'on construise une Afrique avec des consensus républicains qui ne sont attaquables par personne, par aucun des acteurs, parce que ce sont le fruit d'une concertation large de l'ensemble de la classe politique de notre pays. On va également faire nos hommages en tout cas à Idem Kodjo. Ah, oui. On va faire nos hommages à Idem Kodjo. Et je profite pour saluer le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais, oui, Joseph Kofigo, oui, avec qui j'avais la chance de partager un forum de côté de Bénin à Cotonou. C'est un excellent poète. Je pense que de temps en temps, il faut le dire. C'est quelqu'un qui adore, qui aime profondément l'Afrique. Et je lui dis bonjour en ce jour, monsieur le Premier ministre. Edem Kodjo, qui sera accompagné, qui a été, sa marche vers sa dernière demeure a commencé depuis hier. On va d'ailleurs s'incliner devant sa mémoire, parler sa dernière
marche a commencé. Il sera justement. C'est lui un très grand panafricain, voilà, un grand égyptologue. Un grand égyptologue. Il a beaucoup travaillé justement dans le cadre du panafricanisme, mais bon. Mort le 11 avril dernier, qui sera justement et sera inhumé demain. Ouais. Donc, tous nos hommages au peuple togolais et justement à la famille de l'illustre disparu. Albert Anatola, ici, pendant 70 jours, les Maliens étaient dans la rue. On n'a pas entendu parler de la CEDEAO. Même résoudre ce problème, à un moment donné, on a eu l'impression que le problème les a dépassés. Aujourd'hui, on prend des décisions les plus dures contre un pays comme celui-là. Mais écoutez, tout à l'heure, je l'ai évoqué, je n'étais cela. Que nous sommes dans une danse d'hypocrisie, si vous voulez. Oui. Nous sommes un peu d'hypocrisie, c'est tout. Et puis, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre que pour la plupart, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, ce sont, leurs salaires sont payés par le président français. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent justement tenir le même discours que Macron a tenu, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, dans leur compréhension... Jusqu'à preuve de compte, on n'a pas encore les propos de Macron après qu'Alassane Draman Ouattara ait dit des choses. Anatole, une seconde. Je pense que la France est un peu plus mesurée. Comme ils ont l'air d'avoir plusieurs faibles feux, ils se disent, attention, on va pas aller trop loin en attendant de voir la direction que le vent prendra en définitive. Donc, il faut être mesuré. Non, disons que Macron a pris la parole lors de la rencontre entre... le couple Allemagne-France. Donc, surtout lorsqu'il fallait se prononcer sur le cas du Russe qui est comme ce sont d'empoisonnement. Oui. Il a déclaré qu'il était prêt à, justement, à recevoir ces Russes pour une prise en charge médicale appropriée en France. Mm-hmm. Dans la foulée, justement, Alexandre il a embrayé sur l'actualité malienne. Mm-hmm. Cela, il a fait cette déclaration. Mm-hmm. Dit que moi, je parle de la déclaration avec la sœur d'Armand Ouattara qui a pris l'initiative de prendre un autre mandat. On attend toujours. Maintenant, il faut. Maintenant, ah ouais. La question fondamentale, oui. La question fondamentale, c'est que après le push, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. C'est quoi la suite? Bon, hier, j'ai entendu dire que, notamment, c'est la junte, notamment à partir de son porte-parole, monsieur, comment il s'appelle, Ismaël Ouagé, qui dit qu'il y aura un président de transition qui pourra être militaire ou un civil. Il y a encore ambiguïté. Pourquoi est-ce qu'il doit être militaire? Il doit être un civil. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, c'est Assimi Goïta qui est l'homme fort pour l'instant. Il est porte-parole, ça veut dire... Puisque le colonel Diaw s'est mis à l'écart. Si l'autre n'est que porte-parole, ça veut dire qu'il prend on lui donne les éléments de langage. C'est le patron qui donne les éléments de langage. Et puis, voilà. Donc moi, je pense que ce qui est important, à mon sens, il y a deux choses qui sont prioritaires. Avant de répondre à votre question, c'est quoi la sécurité du Mali? La sécurité du Mali implique, comme je l'ai dit tantôt, avoir une armée. Le Mali n'en a pas. Et de ce point de vue, Ibeka a fait preuve d'incompétence. Je ne parle pas de l'incompétence qu'on attribuait il y a 8 ans à Madou Doumbouya Toumaï-Touré. Mais je crois, là, il a quand même fait preuve d'incompétence. J'ai même envie de dire indolence. Vous ne pouvez pas être un chef d'État, mais vous n'avez pas une armée, vous n'engagez pas des réformes au sein de votre armée pour régler des questions d'ordre sécuritaire. Vous ne pouvez pas diriger un pays qui est occupé à 60% par une part des armées étrangères et dont le sous-sol est exploité par des civils entreillis. Vous ne pouvez pas diriger un pays qui est balkanisé, c'est-à-dire d'un côté vous avez des bandes armées et les djihadistes qui dictent leurs lois. Non, ça devient très compliqué. Comment? Et parler des politiques de développement. Oh, lorsque vous parlez de développement, cela implique d'abord la prise en main de la sécurité, de votre intégrité, de votre protection territoriale. Maintenant, la CEDEAO, écoutez, est-ce que la CEDEAO a une ligne conductrice? Je ne pense pas. Parce que pour qu'un organisme ou une organisation fonctionne bien, il doit avoir une ligne conductrice. Quand vous regardez l'Union européenne, ils ont une ligne conductrice. Quand vous voyez l'OTAN, ils ont une ligne conductrice. Est-ce que l'Union africaine a une ligne conductrice? Je ne pense pas. Déjà, une organisation qui est financée par d'autres fonds et que de nombre de cotisations de ses membres, ça ne peut pas avoir une ligne conductrice cohérente. C'est la même chose avec, n'est-ce pas, la CEDEAO, qui n'a pas une ligne conductrice, c'est-à-dire une idéologie, une philosophie. Résultat de course, c'est la cacophonie, notamment au niveau de la prise de décision, au niveau de la gestion des dossiers de la sous-région. Tout à l'heure, je vous indiquais, avant l'arrivée du grand fait d'homme sur ce plateau, que
la CEDEAO aurait dû anticiper, c'est-à-dire faire, non pas faire pression sur le peuple ivoirien, sur le peuple malien, qui est souverain, mais faire pression sur le mandataire du peuple malien, qui est le président Ibeka, notamment pour ce qui concerne les questions de gouvernance, des questions sécuritaires, des questions liées au contentieux post-électoral, notamment l'élection présidentielle et la dernière élection législative qui a eu également en récit des contentieux. Donc, je pense que... Et ensuite, Ibeka n'a pas... Tout à l'heure, j'ai parlé d'absence de proactivité, justement parce qu'il fallait qu'au moment où la contestation a commencé, du moins, la contestation n'est pas née ex nihilo, non. Ça a commencé quelque part. Ça veut dire qu'il aurait dû vraiment tendre l'oreille pour écouter la voix du peuple. Il n'a pas voulu écouter la voix du peuple. Il a plus écouté la voix de la France, parce que pensant qu'il va justement jouer avec, comme nous disons prosaïquement chez nous au Cameroun, il va jouer avec notre cerveau. Donc il a voulu jouer justement avec le cerveau, n'est-ce pas, des Maliens, pour jouer dans le temps. Malheureusement, le temps ne lui a pas donné raison. Merci à vous, Albert Anatola, ici. Merci à vous d'avoir besoin de dire quelque chose, parce que je voulais prendre les réactions des uns et des autres. Une seconde, s'il vous plaît. L'indigence, j'en appelle l'indigence de nos téléspectateurs. Merci. Anatole a fait un développement qui est bien, mais Anatole, il faut quand même voir c'est quoi le Mali. Sur le plan territorial, oui. C'est énorme. C'est plus d'un million de kilomètres carrés. Ils ont une frontière avec l'Algérie, une frontière avec le Niger, une frontière avec le Burkina Faso, une frontière avec le Sénégal, une frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est énorme, premièrement. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, je continue de dire, et c'est par là justement que j'indexe la CEDEAO. Les forces maliennes, elles seules, depuis qu'il y a eu l'écroulement de la Libye de Kadhafi, étaient dans l'incapacité d'assurer, n'est-ce pas, la sécurité sur l'ensemble de les territoires. Il fallait justement que ce soit en ce moment que la CEDEAO soit proactive et crée une task force au sein de la CEDEAO pour venir en aide au Mali pour assurer la sécurité et endiguer, n'est-ce pas, cette déferlante djihadiste qui est partie justement de la Libye pour cette zone qui est considérée par les terroristes comme une no man's land. Il ne faut pas non plus oublier que ce désert est un lieu de prédilection pour tous les trafics. Oui. Dans le trafic de cocaïne qui vient d'Amérique du Sud. Vous vous souvenez de cet avion qui s'était écrasé, avait fait le landing dans cet espace-là entre le Mali et le Niger. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez quand même, il y a encore quelques jours, qu'en Côte d'Ivoire, il y a une affaire, n'est-ce pas, d'un cartel, n'est-ce pas, de trafic de la cocaïne qui a été découvert à Abidjan, mais qui avait justement des ramifications jusqu'au Brésil. Jusqu'au Brésil, mais en passant par le Mali, le désert malien, pour atteindre l'Europe. Donc, je suis d'accord que le président Ibeka a fait preuve, j'allais dire, de mollesse, mais on peut se poser la question, avec quels moyens? C'est pour cela que j'ai interrogé la question de l'or, qui aurait pu être un palliatif du point de vue de rentrée de devises. S'il y avait une organisation bien structurée de cette exploitation de l'or pour permettre au Mali de passer au moins à une production de 200 tonnes d'or. Avec 200 tonnes d'or, je peux vous assurer, avec le coût de l'or que nous avons aujourd'hui, j'ai oublié le prix de l'once d'or, vous pouvez vérifier, c'est incroyable. Le Mali aurait pu faire beaucoup de choses, sauf que, et c'est là où le bas blesse, les forces Barkhane, les forces, je ne sais pas, qui se trouvent au Mali, eux-mêmes, ils prouvent de par leur inefficacité à pouvoir compter suffisamment ces djihadistes. Mais, au même moment, je peux vous le dire, parmi ces militaires, il n'y a pas que des gens qui savent, qui connaissent le métier des armes, il y a des ingénieurs en ceci, en cela. Ils sont de sous-sol malien, et en fonction des résultats qu'ils leur sortent de sous-sol malien, ils orientent des politiques. Monsieur Le Drian, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il était quoi avant? Ministre de la Défense, ou quelque chose de fortuit. Donc, il faut indexer la CEDEAO, celle qui est responsable de cet échec, de cette bérésina. C'était à elle de, justement, là, je suis d'accord avec vous, qui n'ont pas de ligne directrice, d'avoir une vision globale de ce qu'ils veulent faire de leur sous-région, en se disant, attention, là, nous avons un point noir qui risque d'avoir des problèmes. Que faisons-nous pour, justement, anticiper, pour que ces problèmes ne prennent pas l'envergure que nous voyons aujourd'hui? Oui, l'État malien est déficitaire, l'État malien a échoué, et ce que le peuple propose, justement, à Ibeka, c'est de n'avoir pas pris au regard, n'est-ce pas, de tout l'ensemble
de cette difficulté-là, des mesures idoines qu'il fallait prendre, quitte à se brouiller avec Paris, justement pour pouvoir avancer. Et pouvait d'ailleurs-t-il prendre cette décision puisqu'il travaille pour le compte de la France? Il a fait campagne dans les chars. On a vu faire campagne dans les chars français. C'était quand même quelque chose de biais, ça. Mais on va sortir de cette édition. Je voudrais quand même indiquer que lorsqu'on est chef d'État, oui. Lorsqu'on est chef d'État, on doit pouvoir engager des réformes de manière permanente pour renouveler la machine. Et je parle ici de la machine sécuritaire. Si Paul Biya avait attendu que le Nigeria, le Tchad ou bien les autres viennent nous secourir lorsque nous sommes attaqués, on ne serait jamais arrivé à bout. Avant que Paris et les autres arrivent, 2 années plus tard, Boko Haram aurait pris une partie du territoire camerounais. Merci beaucoup, c'est Albert Anatolaï. Karim Abdou nous dit que bonjour le panel. Les Maliens doivent refuser catégoriquement cette délégation de la CEDEAO qui n'a qu'un instrument de la France mise en place pour contrôler cette sous-région. Merci à vous, fils d'Afrique, des mafieux qui organisent des règles au détriment des pauvres Africains. Big up à Tonton Parfait, c'est Lionel Ngongan, Letizy, Zadi, Woudidi, le peuple africain est debout. Maudit Koulibaly nous dit que nous, les Maliens, on a peur de rien. La CEDEAO viendra nous trouver ici à pied ferme. Je vous rappelle qu'il y a une marche qui est prévue ce matin, 7h, à l'aéroport international Modibé Keïta. Donc, les Maliens sont en train de nous dire que eux, la CEDEAO va les trouver à l'aéroport ce matin. Je vous mets au parfum. J'ai envie d'applaudir. Gervino Mbanjouen dit bravo le pays des Malinké, bravo le pays de Sundiata Keïta. Mac Venus nous met, est-ce que le coup de force de la junte militaire peut ne servir à rien? Parfait. Bon. Peut ne servir à rien. Parfait. Mamadou Diaby, vive l'armée malienne. On est derrière vous. Du courage. Takara Ousmane, salut mes frères et sœurs. Non, là, c'est les marabouts qui inondent d'ailleurs la toile encore ce matin. Haruna Thiam, on s'en fout de la CEDEAO. Elle ne pourra rien nous faire. Tenez bon, le peuple malien, et sortons massivement pour soutenir nos militaires. Là encore, je vous donne encore ce qui se passe de ce côté-là. CI Uni Soros GPS, Alassane Draman Ouattara n'est pas un exemple, car il piétine tout ce qui est droit de l'homme. Autrement, s'il tient vraiment à rétablir l'ordre des choses au Mali via la CEDEAO, pourquoi le même refuse de mettre en application la décision des droits de l'homme concernant l'affaire Soros et ses pros? Mamadou Fofana nous dit bonjour, Mavenus Noubert revient. Est-ce qu'on peut avoir peur que les mutins ne supporte pas la pression? Est-ce que ce coup de force soit voué à l'échec, monsieur Ndom? Il vous posait d'ailleurs la question. Bon, ils sont nombreux d'ailleurs qui nous écrivent. Je vais revenir avec vous dans un instant. Bon, dans un instant d'ailleurs, on va faire sortir de cette édition. Bonjour mes frères et sœurs panafricains, c'est toujours moi, Mambou, depuis Douala. En l'occurrence, à la pertinence de monsieur Albert Anatolaï ici et celui de mon grand frère Patient Pafendom, que je salue également. S'il te plaît, Steve, pose-moi cette question à monsieur Anatolaï ici, à savoir quel est le rôle de l'armée malienne. Voilà, c'est sa question. Deuxième question, pourquoi cette armée-là ne défie pas les forces Barkhane qui pillent le Tombouctou, Gao, Kidal dans le Septentrion? On l'a posé déjà cette question. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs ce matin. S'il vous plaît, j'aimerais que vous essayiez de faire comprendre aux Africains et au monde entier ce que c'est que le Mali, s'il vous plaît. Faites juste un documentaire sur le Mali afin que tout le monde sache que c'est un géant aux ressources minières énormes. Je termine toujours en vous posant cette question. Barkhane, c'est quoi? Signé Mambou, le panafricain. Merci. Merci également à vous, Mambou. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. La CEDEAO a échoué. Qu'elle apprenne à être digne envers les populations. Ouattara, n'aie pas peur. Tu l'avais fait pour emprisonner Gbagbo. Ouvre les yeux pour une fois. Conseil du peuple. Voilà, merci également à vous. Bonjour le plateau, c'est Esso du Togo. La CEDEAO n'est pas un avocat du peuple, mais plutôt celui d'un individu qui a trompé son peuple. Nos chefs d'État non plus la raison, ils ne pensent qu'à leur ventre. Merci également à vous, monsieur Esso. Merci mon grand frère Parfendom, vous êtes mon idole. Merci beaucoup mon grand frère Parfendom, vous êtes mon idole. C'est Koumou Papin depuis le Togo. Je vous le dis. Bonjour le plateau, est-ce que le cochon peut dire au mouton que sa cour est sale? Que certains présidents de la CEDEAO balaient d'abord leur propre cour, mais au nom des mânes de nos ancêtres, l'Afrique changera positivement. Philippe le Béninois, il nous appelle justement du Bénin. Bonjour DBS, bonjour également à vous. Je reprends, bonjour le plateau, est-ce que le cochon... Non, on a lu d'ailleurs ce message tout à l'heure. Terminons, bonjour DBS, on l'a dit.
Le Mali est debout, bravo. La CEDEAO n'intervient que pour les intérêts occidentaux, que les Africains continuent le combat. Il y en a tellement, hein, messieurs, vous avez tellement écrit ce matin. Bonjour au plateau, que Dieu vous bénisse, courage au peuple malien. Sachez que c'est en 2020 que vous obtenez votre indépendance tenue bon et que les menteurs, soi-disant les membres de la CEDEAO, ne viennent pas vous tromper comme ils ont fait au Togo. Paul, depuis le Togo, ils sont très nombreux les Togolais qui nous écrivent d'ailleurs tous les matins. Bon, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit en anglais. Ouattara should try to remove the rocks from his eyes before trying to remove the sawdust from Ibeka's eye. Drop their birds of a feeder. Merci également à vous, vous n'avez pas laissé le nom. Bonjour à vous sur le plateau, merci pour le petit déjeuner. S'il vous plaît, saluez-moi, docteur Yamb. Il me manque beaucoup, Henri Blaise, depuis Bonadibong. Douala, docteur, vous êtes là ce matin. Malheureusement, avec la pluie, c'est pas aussi facile. Il était un peu souffrant, mais dès la semaine prochaine, il sera des nôtres, ne vous inquiétez pas. La CEDEAO est un instrument de Paris, c'est pourquoi je demande à tous les Africains de ne pas apporter du crédit à cette institution. Il continue d'ailleurs à écrire toujours, hein, messieurs. Le temps nous est imparti, je lirai vos messages très prochainement. Bonjour, je pense que le thème est bien choisi. Le Mali est en difficulté, ce n'est pas la CEDEAO seul qui doit régler le problème. C'est la fête de l'Afrique tout entière. L'Union africaine doit se réveiller. Malam Oumarou depuis Meinganga. Merci à vous également qui nous écoutez depuis Meinganga. CEDEAO est une honte où elle était quand Kadhafi était tué, quand on tue les gens dans le nord du Nigeria, quand on viole la constitution, quand on tue les enfants au Togo. Kelly Kofi depuis le Togo. Merci à vous, hein, madame Kelly Kofi depuis le Togo. Je dédie cette prière aux Maliens. Je vous salue, Maliens pleins de sagesse. L'armée est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les pays de la sous-région. Et le colonel Assimi Goïta, le prix de vos entrailles, est béni. C'est Mali, père de Diko, priez pour nous pauvres. Peureux maintenant et à l'heure de notre alternance. Amen. Bon, les gars, n'avez pas écrit. Cette émission très intéressante, trop. Nous, les Togolais, on a soif de l'alternance. Tiédré, on veut un débat. On veut un. Bon, on va. Vous n'allez pas le répéter tout le temps. J'ai compris. On va vous donner le débat. Vous êtes très nombreux à nous écrire d'ailleurs ce matin. Hein. Laissez vos messages, je les lirai lundi matin. Patient Parvenom, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci, merci pour cette invitation. Voilà. Merci. Et il continue à écrire. Ils sont nombreux d'ailleurs qui écrivent. Albert Nathalie, merci également. Je voudrais dire rapidement à cet internaute qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements au sein de l'armée malienne. Je ne sais pas moi qui le dis. C'est le colonel major qui l'a indiqué. Non, c'est pas le colonel major. C'est le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta. Voilà, qui reconnaît qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée malienne et qui n'a pas connu des réformes, raison pour laquelle elle est pratiquement inopérationnelle. Merci en tout cas, Albert Anatoula, d'avoir été là ce matin. Merci à toute la technique, à la réalisation. Merci également à la direction de nous avoir accordé un peu quelques secondes. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition de Libye ce matin. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Au revoir.